Si l'Office du tourisme argentin devait présenter son pays, il ne le ferait pas autrement. Vu du ciel, les décors sont majestueux. Une terre de contrastes saisissants. L'expression est souvent galvaudée, mais ici elle prend tout son sens. Du nord au sud, du désert à la terre de feu, l'Argentine s'étire sur près de 3700 km. Partout, la nature s'affiche au sommet de son art. Une nature et une faune sauvage. Images, cartes postales. Mais derrière ces paysages, il y a une autre réalité. Cette fois-ci, il faut écouter les experts climatiques et montrer l'envers du décor. Été 2008, la canicule frappe durement les agriculteurs et les éleveurs. Dans la province de Buenos Aires, près d'1,5 million de vaches et de taureaux ne survivent pas à ces conditions extrêmes. Pour les éleveurs, leur cheptel ne pourra jamais être reconstitué. Je ne sais même plus depuis combien de temps ça dure. Ça doit faire 6 ou 7 ans que c'est sec. Sécheresse, sécheresse, sécheresse. Ça ne s'arrête pas. Sur la côte atlantique, la montée des eaux menace les cités balnéaires. Une érosion qui, dans certaines communes, a déjà dévoré près de 500 mètres de plage. L'augmentation du niveau de la mer et la violence des vagues vont provoquer de manière significative des dégâts plus fréquents que ceux que nous connaissons actuellement. Dans la capitale, tempêtes et inondations se multiplient. Les autorités tentent de trouver des parades, comme ces tunnels d'évacuation des eaux de pluie. Travaux de grande ampleur, mais qui ne protègent que certains quartiers de la capitale. Les dernières victimes des pluies diluviennes commencent à trouver le temps long. Pour la première fois, elles se rebellent. Elles ont déposé une plainte collective contre les autorités pour être indemnisées. Le gouvernement doit garantir la sécurité de la population. Et dans ce cas-là, il y a eu des erreurs de commise. Parce que les inondations ont eu lieu en 2008, 2009, 2011 et 2012. Inondations, tornades, sécheresses à répétition, montée des eaux. L'Argentine, après être sortie en 2003 d'une crise économique sans précédent, pourrait replonger dans une nouvelle crise. Climatique, cette fois-ci. Nous commençons notre voyage par le nord du pays. Nous sommes ici au pied de la cordillère, dans la région de Salta. Ce train nous emmène au-dessus des nuages, à plus de 4000 mètres d'altitude. Là encore, les paysages sont à couper le souffle. Mais il ne faut pas se fier aux apparences. Tout au long du parcours, nous traversons des zones désertiques, des villages fantômes. Jusqu'en 1999, ce train acheminait toutes sortes de minerais, or, argent, fer, manganèse, jusqu'au Chili. Fini l'âge d'or. La situation s'est bien dégradée. Rares sont ceux qui s'accrochent encore à cette terre que les locaux appellent le désert de l'homme mort. Ici, ces 50 dernières années, la température a augmenté de plus d'un degré. Sergio Geraldi vit ici avec son petit troupeau et sa maigre pension. Aujourd'hui, il dispose d'une cabane et d'un point d'eau. Combien de personnes habitent dans cette zone? Je dirais à peu près 10. Beaucoup sont très pauvres. La vie est dure par ici. Vous avez des contacts avec vos voisins ou vous vous débrouillez tout seul? Il y a des vieux qui viennent me voir. Ils habitent à une vingtaine de kilomètres. Mais mes voisins les plus proches sont à 5 ou 6 kilomètres. Avec le temps, Sergio Geraldi s'est habitué à cette solitude, à cette vie d'ermite. Il n'est pas le seul dans cette situation. En Argentine,
un quart de la population vit sous le seuil de pauvreté, soit moins d'un euro par jour. Nous partons 200 km plus à l'est. C'est Emily Stark qui nous accompagne. Elle est géographe. Nous nous rendons dans le territoire des Wichí. Deux semaines auparavant, des pluies diluviennes ont provoqué de dramatiques inondations. Comme il a beaucoup plu ces derniers mois, en fait, l'eau stagne et avec la forte évaporation, le soleil, on sent qu'il est très fort. Il y a une concentration de sel donc, qui reste sur la terre. Donc, c'est des terres impropres à la culture. Après, on peut voir les zones inondées. Quand on a des chutes d'eau intenses, vous voyez, ça inonde toutes les parties basses. Donc là, c'est pas possible de cultiver. C'est de l'eau qui est bue par les animaux, les troupeaux de chèvres ou quelques moutons. Et c'est impropre à la consommation. Donc c'est un milieu très, très difficile. De l'eau salée. Mais ici, les habitants n'ont pas d'autre choix que de la boire. Arrivés à Rivadavia, une commune de plus d'un millier de personnes, nous avons déjà l'impression d'être au bout du monde. Mais là où nous devons nous rendre, c'est pire encore, nous dit Émilie. À chaque inondation, des populations entières sont isolées. Pour communiquer avec ces villages reculés, il n'existe qu'une radio locale. Aujourd'hui, nous allons essayer de répondre aux situations les plus urgentes. Comme à chaque fois qu'il y a des sécheresses et des inondations, on a une équipe importante qui va travailler main dans la main avec la défense civile. Elle nous prête un hélicoptère pour vous venir en aide. Béatrice et Zakaria appartiennent à l'ADRA, une organisation humanitaire qui dépend de l'Église adventiste. Pour la première fois, le gouvernement met à leur disposition un hélicoptère pour se rendre au chevet des victimes des inondations. Les opérations d'urgence sont ici toujours très compliquées. Car d'habitude, nous manquons de moyens et de personnel. C'est encore plus vrai dans cette région. L'hélicoptère doit venir, mais il est basé à 500 km d'ici environ. D'après le bulletin météo, le temps va se dégager. Et l'hélicoptère ne devrait plus tarder. Il faut donc patienter. Sans cet appareil, les opérations de secours sont très délicates à organiser. Émilie en profite pour parler avec les anciens. Tous lui confirment que le climat ne cesse de se dégrader. Avec les inondations des dernières années, 72 familles Wichí ont déjà trouvé refuge à Rivadavia. Le temps passe, Béatrice est inquiète. Le pilote ne s'est pas encore manifesté. L'hélicoptère n'aurait toujours pas décollé. Bon, on a quelle autre solution? On attend qu'il arrive ou on part en voiture? On déjeune en attendant de voir ce qui se passe? Oui, mais dans une heure, il ne nous restera que 3 heures pour remplir la mission. Et en 3 heures, je ne sais pas si l'on pourra tout faire avec l'hélicoptère. Pour la 5e fois de la matinée, il tente à nouveau de joindre le pilote. Ah, ok, tu ne peux pas décoller. Ici, il fait beau, mais si tu ne peux pas décoller là-bas, pour nous, ça va être impossible. On va devoir imaginer notre solution et partir peut-être en voiture. Allez, on y va. L'équipe recharge le matériel, des vêtements usagés et des biscuits protéinés. Cela fait déjà près de 2 semaines que des pluies torrentielles ont inondé la région. La route est chaotique. Les véhicules n'appartiennent pas à l'association qui dispose de moyens dérisoires. Ils sont loués pour cette opération. Au volant, Zakaria n'est pas très à l'aise. À plusieurs reprises, les 4x4 sont stoppés. Le temps presse, il est déjà 15 heures. En cette période de l'année, la nuit tombe vers 18 heures. Plus loin, le scénario se reproduit. En 2 heures, nous n'aurons parcouru que 30 km.
les Wichi, ont entendu l'appel à la radio locale. Vous avez reçu notre message ? Oui. Comment êtes-vous arrivé jusqu'ici ? Par là, il y a un passage avec un petit pont. C'est à combien de kilomètres ? 7 à 8 kilomètres. Ils attendent là depuis plus de 6 heures. Vous les aidez, mais que fait le gouvernement ? Eh bien, le gouvernement nous a déjà apporté son aide pour d'autres villages. Mais ici, il n'a pas pu encore envoyer de l'aide. Avec Emily Stark, nous partons à moto. Pendant ce temps, les villageois, eux, rejoignent leur maison, à pied. Près de 2 ou 3 heures de marche. Cette communauté a toujours vécu dans cette région. Il serait 40 000 environ en Argentine. Peuple de chasseurs-cueilleurs, ils se déplaçaient au gré des saisons et du gibier. Mais les chasseurs venus de Buenos Aires ont détruit leur garde-manger. Aujourd'hui, leur survie tient le plus souvent du miracle. Le taux de mortalité chez les enfants est le plus élevé du pays. Dans ce village, il n'y a aucun dispensaire. La durée de vie moyenne est de 50 ans. La communauté Wichi a l'air complètement oublié. Totalement. D'abord, ça se voit, puisque c'est un pont qui a été fait par les habitants eux-mêmes avec les moyens du bord, avec les troncs qu'ils ont pu ramasser autour. Et jusqu'ici, on ne voit pas d'aide gouvernementale. C'est-à-dire qu'en fait, là, les inondations coupent la communauté quasiment du reste du monde. Ah, mais elle est complètement isolée. Et ne serait-ce que pour aller à la ville la plus proche, il leur faut au moins 3-4 heures, même plus de voyage. 12 familles se sont installées ici à La Esperanza, campement provisoire pour ce peuple de nomades. Mais aujourd'hui, ce qui les pousse à changer de territoire, c'est le climat, un climat complètement bouleversé. C'est comme 15 ans que souffrimos. Depuis environ 15 ans, nous sommes touchés par des inondations. Chaque année. Toute cette zone est inondée. Et cela s'étend sur 7 km vers le sud. Nous avons quelquefois la visite de gens de l'État. Ils viennent en hélicoptère. Ils nous apportent un ou deux sacs de vivres. De quoi tenir 15 ou 20 jours. Les conséquences sont visibles. Un indicateur, ces chiens qui n'ont que la peau sur les os. J'aimerais savoir de quoi vivent les gens ici. Comment font-ils pour manger ? Je ne sais pas, c'est dur. Parfois, il nous manque de la viande. En vérité, nous manquons de tout. Vous souffrez aussi de la sécheresse ici ? Oui, bien sûr. Beaucoup de sécheresse. Oui. Et vous buvez comment ? Où trouvez-vous de l'eau ? Il y a bien la rivière, mais l'eau est salée et polluée. Je vais bientôt avoir 60 ans et je n'ai jamais bu une seule goutte d'eau potable. Et à présent, ce sont nos enfants qui suivent ce chemin. Un très mauvais chemin, mais que faire ? Comment survivre dans un milieu aussi difficile ? L'ADRA a mis en place un petit potager. Oui, ça pousse. Regarde. Ils sont beaux, ces légumes. Il y a même des calebasses là-bas. Il est toujours aussi productif ? Oui, toujours. Alors vous allez continuer à cultiver ? Oui, tous les ans. C'est un petit miracle ici quand même. Oui, c'est un petit miracle, oui, avec la salinité de la terre et surtout avec l'eau qui est contaminée. C'est pas mal. Ce qui pousse ici doit être contaminé aussi, non ? Ce serait effectivement la logique. Après, il faudrait faire des tests pour confirmer, mais bon, avec de l'eau contaminée et du sol à forte teneur saline, oui. Si les communautés les plus pauvres sont sensibles au changement climatique, qu'en est-il des autres populations qui vivent dans le reste de l'Argentine ? Nous partons à Buenos Aires, où régulièrement des quartiers entiers de la ville se retrouvent sous les eaux. La capitale a été dessinée par des architectes européens qui, pour gagner des terrains constructibles, ont recouvert et bétonné la plupart des rivières qui traversent la ville.
Seul le fleuve Rio de la Plata reste visible. Il borde une grande partie de Buenos Aires, qui, avec son agglomération, abrite près de 13 millions d'habitants, soit un tiers des Argentins. Depuis 2005, les inondations s'enchaînent dans l'une ou l'autre partie de la ville. En cause, des pluies diluviennes et un système d'évacuation des eaux obsolète. Nous sommes ici dans le quartier Belgrano. Pour les locaux, c'est l'équivalent des Champs-Élysées à Paris. Et il est plus facile alors d'imaginer ce que vivent les riverains. Tu vois là ? Ça, c'est le musée Irustia. Ce musée possède des œuvres de Picasso et d'autres peintres. 10 cm d'eau de plus et les peintures étaient perdues pour toujours. Et là, ça, c'est à 200 mètres de chez toi. Regarde comme l'eau emporte cette voiture. C'est vraiment catastrophique. Ces images sont vraiment bonnes et je vais pouvoir les ajouter comme preuve au dossier. Il y a environ 10 000 personnes touchées par les inondations. Des gens qui ont perdu leur maison, leur commerce ou leur voiture. Et vous savez, le gouvernement doit garantir la sécurité de la population. Et dans ce cas-là, il y a eu des erreurs de commises. Parce que les inondations ont eu lieu en 2008, 2009, 2011 et 2012. D'accord ? Ce jour-là, il peut arriver n'importe quoi. Tu prends un câble haute tension sur ta maison et tu meurs électrocuté. Personne ne s'en préoccupe. C'est ça, ce goût amer qui te reste dans la bouche. Te dire qu'il peut arriver n'importe quoi et que personne n'est responsable. L'avocat a récupéré toutes les images liées aux inondations de février 2012. Tournées par des amateurs, elles lui permettent de retrouver les victimes qui n'osent pas porter plainte. On a vraiment du mal à croire qu'on est actuellement au même endroit. Regarde là. Ça passe sous la porte. L'eau monte jusque là. Regarde, on dirait la mer. Javier Miglino se définit comme la voix de milliers de sinistrés. Il représente aujourd'hui un groupe d'une centaine de personnes qui réclament justice. Les autorités ont créé un fonds spécial pour indemniser toutes les victimes. Mais personne n'a encore reçu le moindre peso. Javier Miglino attaque les responsables de la mairie. Le maire absent, c'est Daniel Chin qui nous reçoit. Il est aussi poursuivi par Maître Miglino. Oui, je sais de quoi vous parlez. Je sais qu'une loi a été votée après une catastrophe qui s'est produite il y a des années. Il y a eu des demandes pour obtenir des indemnités. Mais là, je ne vois pas où il y a un problème. En fait, il préfère éluder notre question. Et pour cause, une action judiciaire est en cours. Lors de cet entretien, il insistera sur les travaux pharaoniques que réalisent ses équipes. Il nous incite à nous rendre sur ce chantier. Il s'agit du plan hydraulique. Pour comprendre l'ampleur de ce projet, il faut suivre Daniel Capdevila, c'est l'ingénieur en chef. Ce chantier, c'est la première étape des travaux qui va permettre à la ville de Buenos Aires de ne plus connaître d'inondations comme celles qui ont ravagé notre ville durant les 70 dernières années. Le tunnel que nous voyons ici, c'est le tunnel court et il fonctionne depuis presque un an. Il permet aux quartiers de Palermo et de Villa Crespo de ne plus être inondés comme par le passé. À côté, de manière symétrique, nous sommes en train de finir le tunnel long. Il permettra pour sa part de protéger tout le bassin du Maldonado. Ce système a pour but de détourner les eaux pluviales vers le fleuve, ce qui devrait, selon lui, réduire les inondations. Vous avez tenu compte du fait qu'avec les changements climatiques, les pluies et les inondations vont devenir plus fréquentes ? Malheureusement, l'ingénierie travaille sur des mathématiques exactes. Les changements climatiques modifient la réalité du passé. Ce qui implique que lorsque nous concevons des chantiers, avec ces nouveaux éléments, nous sommes toujours un peu en retard sur les dernières données.
Donc ce chantier a été conçu sur la base de données complètement dépassées. Oui, on a pris en compte les statistiques des 100 dernières années. Mais les bouleversements climatiques ont été si importants ces derniers temps que nos statistiques sont sans doute faussées. Elles ne correspondent plus à la réalité de demain. Même s'ils ne sont pas à la hauteur des dernières prévisions des experts climatiques, ces tunnels d'évacuation vont limiter les risques. D'autres sont prévus, mais les autorités cherchent encore les financements. Près de 400 millions d'euros sont nécessaires pour parer aux plus urgents. Dans le quartier de la Boca, les travaux ont été réalisés en premier. Il faut dire que c'est l'endroit le plus touristique de Buenos Aires. Cette vitrine de la capitale se trouve au bord du fleuve Riachuelo. Roque Pedace aime déambuler dans ses rues, surtout depuis ce jour où les autorités ont mis en place un système d'évacuation des eaux. Il n'y a plus d'inondations ici à la Boca. Non, plus depuis 10 ans, grâce à ces pompes, les plus importantes de tout le pays. Des pompes, mais aussi des kilomètres de digues ont été mis en place pour protéger ce quartier. Pour cet expert, les changements climatiques n'affectent pas seulement la ville de Buenos Aires. Actuellement, il y a environ 5 millions de personnes touchées par les inondations sur toutes les côtes d'Argentine. Si le niveau de la mer continue à monter, et par conséquent le niveau de l'estuaire, le scénario le plus catastrophique parle d'1,70 m. Des millions de personnes seraient affectées, il faudrait alors les déplacer. Depuis 2009, une équipe ministérielle planche sur un plan d'adaptation au changement climatique. Mais pour le mettre en place, l'argent manque. Pour Roque Pedace, le temps presse. Il nous emmène dans un autre quartier de la capitale. Nous empruntons ici le Rio de la Plata jusqu'au delta du Tigre. Palais Rococo, villa de luxe, chalets en bois, c'est un lieu de villégiature pour les familles les plus riches de Buenos Aires. Nous ne sommes pas là par hasard. Les personnes qui vivent ici sont sans doute celles qui vont le plus subir les effets des changements climatiques, à cause de la hausse permanente des eaux du fleuve. Ces études montrent que le niveau des eaux pourrait monter ici jusqu'à 1,70 m, un niveau critique. Les maisons sont prévues pour résister à une montée maximale d'1 m. Ce jour-là, il rencontre l'un des rares riverains conscients des risques. L'eau est entrée dans cette partie de la maison, jusque-là environ. Tu vois, il y avait de l'eau jusque-là. Ici, c'est l'endroit par où l'eau est entrée. Par chance, elle n'a pas emporté la maison. Pendant la dernière inondation, l'eau est entrée jusqu'ici? Non, c'est passé juste sous le plancher. C'était en 89. Mais on avait la sensation que l'eau rentrait partout à l'intérieur. Et ça a duré combien de temps? Ça a duré assez longtemps, environ 4 jours. Il a fallu évacuer les habitants du quartier. À l'embarcadère, l'eau arrivait jusqu'au toit. J'ai construit un refuge au-dessus, sous le toit, avec un escalier, viens voir. Et combien de temps tu peux vivre là-haut? Si l'eau monte, je vais chercher la nourriture en bateau et je peux tenir très longtemps. Voilà, nous sommes dans ce qui pourrait être mon refuge lors d'une éventuelle inondation. On tient à combien ici? Autant que la nourriture le permet. Tant qu'il y a des réserves, il n'y a aucun problème pour vivre ici. Donc tu penses que si le fleuve montait de plus d'un mètre, on pourrait toujours adapter les maisons? Oui, ce serait bien triste, mais... Oui, parce qu'il y aura de l'eau en dessous. Oui, et comme il y aura de l'eau en dessous, nous pourrons pêcher et survivre ainsi en attendant. Au fil de l'eau, Roque Pedace perd son sourire. Ce qu'il voit le met en colère. En moins de 2 ans, ce qu'il appelle les ghettos pour riches, ces résidences de luxe, se sont multipliées sur les bords du Rio. Nous sommes ici dans une zone urbanisée, très proche de ce qu'on pourrait trouver dans un quartier riche de Buenos Aires.
Comme partout dans le monde, les villes sont conçues pour des centaines d'années. Si on garde en tête que le niveau de la mer ne cesse de monter, le rez-de-chaussée de ces bâtiments va être recouvert d'eau. On est en fait devant un type d'urbanisation qui n'est pas du tout adapté au changement climatique. On ne pourra donc plus vivre ici. Et ces immeubles seront les vestiges d'une époque révolue. Nous partons de l'autre côté de Buenos Aires. À l'embouchure du Rio de la Plata, il existe encore des zones vierges de tout bétonnage. Nous sommes ici dans une zone protégée. Et pourtant, notre expert climatique est accompagné d'une passionnariat de l'environnement. Nieves Baldacchini veut nous montrer les derniers projets lancés par des promoteurs immobiliers. Projets qui, à ses yeux, vont défigurer ces lieux où l'on ne croise aujourd'hui que des pêcheurs ou des retraités. Regarde, Roque, pour que tu comprennes bien le problème, je t'ai apporté une carte. Nous sommes ici, dans la rue Espora, et voilà toute la zone touchée, toute la réserve naturelle. Ici, c'est l'endroit qui a été choisi pour le projet immobilier, la nouvelle côte de la Plata. Ce projet implique de remblayer cette zone marécageuse et d'élever le niveau du sol de 5,50 m. Mais personne ne s'inquiète du fait que cette zone humide assure des fonctions environnementales. En lieu et place de cette forêt, les promoteurs veulent construire des dizaines d'immeubles avec vue sur le Rio de la Plata. Le chantier devrait démarrer très rapidement. Tu vois, cette réserve naturelle est un vrai paradis. Et ils veulent la détruire. Regarde, ici, la fonction de filtration des eaux, nous la voyons s'accomplir sous nos yeux. À cause du projet immobilier, la nouvelle côte de la Plata, tout ce marais va disparaître. Les promoteurs disent qu'ils vont protéger cette réserve naturelle en laissant une bande entière. Mais c'est impossible, car ce projet implique de surélever le sol de 5,50 m. Pour montrer à quel point ces constructions sont inimaginables, Roque Pedace nous propose d'interroger les pêcheurs qui travaillent et vivent ici à l'année. Eux, dit-il, savent que le fleuve est une menace permanente. La grande marée de 2001 a duré 6 heures. C'était exceptionnel. Mais avec une grande marée, en 2 ou 3 heures, l'eau arrive et brise tout. L'eau monte jusqu'où ici ? 2,5 mètres. Elle atteint le niveau où est ma main, c'est ça ? Oui, à peu près. Ça fait quoi ? 2,20 mètres ? Entre 2,50 mètres et 2,70 mètres. Je le sais car l'eau parvient jusqu'au plancher de ma maison qui est à cette hauteur-là. Pour se protéger des grandes marées qui peuvent être violentes, ce pêcheur a construit sa maison sur pilotis. Pourquoi as-tu bâti cette maison aussi haut ? Parce que la dernière grande marée a atteint 2,20 m, alors je l'ai construite à 2,40 m. En 2001, la marée a complètement recouvert la pièce en dessous. Donc il y avait de l'eau jusqu'à cette marche ? C'est ça. Mon canoë flottait au niveau de la terrasse. Quand l'eau parvient jusqu'à cette marche, 2 heures après, elle se retire. Tu nous dis que tu pourrais continuer à vivre ici, tranquillement, avec de l'eau jusque-là ? Oui, ce n'est pas grave. Tu as de l'eau pendant 2 heures et ensuite elle s'en va. Ma femme est habituée à vivre toute seule en haut. Et que se passerait-il s'il y avait 1 mètre d'eau en plus, si toutes les marées devenaient exceptionnelles ? Je remonterais 1 mètre. Si l'eau monte 1 mètre, je monte aussi 1 mètre. Roque Pedace va lui démontrer que la situation ne peut qu'empirer, surtout avec la Sudestada. Ces 20 dernières années, avec l'effet des changements climatiques, ce vent argentin s'est largement renforcé. Il accentue la violence des vagues ici, comme dans le reste du pays. En Argentine, le combat de Roque Pedace est relayé par d'autres experts. Tous sont convaincus qu'il faut faire des changements climatiques une priorité nationale. Nous partons à Mar del Tuyú. Cette commune, située sur la côte atlantique, possède plus de 90 km de plage. Walter Dragani est un enfant de cette station balnéaire. S'il est devenu océanographe, c'est pour rester au plus près de cet environnement qu'il aime tant.
Mais en le regardant avec l'œil de l'expert, il ne peut cacher son inquiétude. Le littoral a changé. Près de nous, il y a des dunes naturelles et la plage est large. Mais au niveau des bâtiments colorés, on constate que la plage est réduite parce que toutes les dunes ont été rasées pour construire des résidences secondaires. Pour appuyer sa démonstration, il nous propose de survoler ces plages. Des plages de sable blanc qui, chaque année en haute saison, attirent près de 2 millions de touristes. Avec le boom économique des années 70, les Argentins les plus aisés ont investi cette côte. Bétonnage sur des dizaines de kilomètres au mépris, dit-il, de l'environnement, mais pas seulement. Bon nombre de ces maisons vont probablement être détruites par des événements climatiques extrêmes, surtout si elles ne sont pas protégées par des structures côtières efficaces. Avec son équipe, l'océanographe sillonne les plages de long en large. Il enregistre et analyse tous les événements climatiques. Son travail a commencé au lendemain d'un drame national. Voici une photo publiée dans un magazine très populaire. Elle a été prise après la Sudestada, très violente, qui s'est produite en février 1993. Elle a fait d'énormes dégâts, tant à Mar del Tuyú que sur le reste de la côte. Dans ce magazine, le journaliste compare cette tempête à l'ouragan Andrew, qui s'était produit quelques mois auparavant à Miami, aux États-Unis. Ces événements sont considérés comme extrêmes. Ils peuvent non seulement se répéter, mais aussi devenir plus intenses. Avec plus d'énergie, ils pourraient provoquer des dégâts plus importants. Depuis ce drame, les tempêtes sont plus nombreuses. À chaque fois, la Sudestada souffle et soulève les vagues. Des vents violents et une mer déchaînée qui causent des dégâts importants. Les traces sont encore visibles. Ici, vous pouvez voir les ruines d'une maison de vacances. On voit clairement les effets de la mer qui ont occasionné ces destructions. Aujourd'hui, il ne reste plus que ces décombres et ces ferrailles tordues. Là, vous pouvez apercevoir les décombres d'une ancienne construction avec ce panneau où il est écrit « Interdiction de grimper, danger de mort ». Il indique clairement la dangerosité de ces matériaux, des fragments de ciment, du verre et de la ferraille. Une situation créée par l'homme qui pénalise aujourd'hui le tourisme. En suivant Walter Dragani, on se rend compte que les zones les plus touchées sont celles où l'homme est intervenu de manière irresponsable. En fait, tous les lieux où les dunes ont été détruites, comme si la nature voulait rappeler aux propriétaires de ces villas que ces dunes restent les seules barrières naturelles contre l'assaut des vagues. Depuis la dernière tempête, ces panneaux ont fait leur apparition, à vendre. Les responsables de la mairie reconnaissent leur tort, mais c'était une autre époque, disent-ils. Dans les années 60-70, on a commencé à construire ces villages. L'erreur que nous avons commise, c'est d'avoir, au fil des années, utilisé le sable de nos plages. Nous avons construit de grands bâtiments, des routes et de nombreux chemins. Comment comptez-vous résoudre le problème de l'érosion? Comment allez-vous protéger votre littoral? En fait, nous dépendons essentiellement du travail et des études des géologues qui réfléchissent à ces questions. Nous n'avons pas encore de solution durable à ce problème. Ce que nous faisons actuellement, c'est de réensabler. Avant chaque saison touristique, les services de la mairie partent au plus pressé. Mais à Mar del Tuyú, personne n'est dupe. Le réensablement, ce n'est que de la poudre aux yeux. Une solution très provisoire et qui coûte chaque année à la municipalité des centaines de milliers d'euros. C'est aussi l'avis de l'océanographe et des habitants. Bonjour, comment vas-tu? Bien, et toi? Peux-tu me donner ton sentiment sur les mesures prises par la mairie? La vérité, je ne suis pas ingénieur, mais avant de prendre de telles mesures, il faut réfléchir pour faire les choses sérieusement. Ça, c'est du rafistolage. C'est comme si on avait mis un pansement. À la prochaine grande marée, ce sable va être emporté.
Ça ne fonctionne pas? Non, ça ne marche pas. En une nuit ou une journée entière, le sable est emporté. Ça dépend de l'état de la mer. D'après toi, aucune mesure efficace n'a été prise? Non, aucune. Lors de notre séjour, nous verrons des bulldozers à l'œuvre. Des machines qui ne font que panser les plaies. À présent, nous marchons sur l'avenue Costanera. Elle est recouverte de sable. Elle est protégée des assauts de la mer par une série de poteaux plantés le long de la plage. Cela évite que la route s'effondre. C'est une mesure de protection, mais s'il n'y a aucun entretien, elle finira par s'écrouler. En fait, il n'existe actuellement aucune solution miracle pour empêcher cette érosion. Partout dans le monde, des scientifiques tentent de trouver une parade efficace. Des recherches essentielles quand on connaît l'impact de cette érosion sur l'économie d'un pays comme l'Argentine. Chaque année, au total, ce sont plus de 3 millions de personnes qui viennent profiter du soleil et de l'océan Atlantique. L'homme a certes sa part de responsabilité, mais l'ennemi reste ce climat qui devient fou. Walter Dragani l'a bien compris. Il nous entraîne dans un lieu sauvage. Il veut nous montrer qu'ici aussi, l'érosion gagne du terrain. Régulièrement, accompagné de Pablo Roras, l'ange gardien de ce sanctuaire, il mesure l'avancée de la mer. Dans cette réserve naturelle, il dispose ainsi d'une dizaine de repères comme celui-ci. 2 mètres 20. Lève un peu, s'il te plaît. 2 mètres 20. Cette zone est très importante pour nous car c'est une zone complètement naturelle. Personne ne s'est installé là. Il n'y a eu aucune action humaine. Ici, les changements ne peuvent être imputés qu'à des causes naturelles. Dans ce territoire, un véhicule tout-terrain est obligatoire. Il n'y a aucun chemin tracé, aucune carte des lieux. Sans le soutien du garde forestier, l'océanographe pourrait se perdre facilement. Nous sommes à présent à Punta Raza, un site très particulier de la côte de Buenos Aires. Ici converge l'océan Atlantique à ma droite, un milieu nettement océanique et un milieu beaucoup plus calme, la baie de San Borombón. Au milieu de ces deux mondes se trouve Punta Raza. C'est une formation sableuse qui, 50 ans auparavant, s'étendait sur 500 mètres supplémentaires. Avec l'érosion naturelle, cette zone a reculé de 500 mètres. Nous sommes ici dans une région classée en zone humide. Elle est protégée par une convention internationale. C'est une zone Ramsar où les oiseaux migrateurs viennent se reposer ou se reproduire. Ces marais salants sont aussi menacés par le bouleversement du climat. Nous quittons la réserve. Pablo Rora a vu tous ces paysages, sans exception, se métamorphoser en seulement quelques années. Il y a 12 ans, une grande partie de cette zone était sans arrêt inondée. Ça commençait en hiver, avec les pluies, et ça durait jusqu'au printemps ou à l'été. Aujourd'hui, et depuis 5 ou 6 ans, il y a de moins en moins d'eau. En 2010, il y a eu une terrible sécheresse, qui continue encore aujourd'hui. Donc on n'a plus la même végétation. Les pâturages sont différents. Une situation qui prévaut dans une grande partie du pays, avec des conséquences sur un secteur qui a toujours été le fer de lance du monde agricole, l'élevage. Sur la route, ces carcasses de vaches rappellent un terrible épisode, celui de l'été 2008, où l'Argentine a perdu la moitié de son cheptel. Depuis, les éleveurs sont moins nombreux. Des dizaines d'entre eux ont même mis fin à leurs jours. Au début de l'année, le gouvernement a décrété l'état d'urgence agricole. Une nouvelle sécheresse s'abat sur la région. Là, on est la
Il y a quelques années, on n'avait pas besoin de pompes parce qu'il y avait de l'eau dans les champs. Mais aujourd'hui, elle fonctionne continuellement. Je ne sais même plus depuis combien de temps ça dure. Ça doit faire 6 ou 7 ans que c'est sec. Sécheresse, sécheresse, sécheresse. Ça ne s'arrête pas. La situation est telle que certains éleveurs cumulent 2 métiers. Victoria Sébastiane est la propriétaire de ce troupeau. Mais une bonne partie de l'année, elle travaille comme ingénieure agronome dans d'autres fermes. Elle n'est guère optimiste pour la filière bovine. Nous dépendons beaucoup des changements climatiques. Jour après jour, on voit les prévisions pour El Niño, La Niña, et on voit comment elles évoluent. Et de fait, ça se voit. Depuis 2008, il pleut très peu. Et puis les animaux sont malades. Et avec la sécheresse et le manque d'eau, nous avons beaucoup de pertes. Le futur, pour ce que j'en sais, ce sont 30 années de plus comme ça. Voilà les prévisions que j'ai. Les gauchos, ces cow-boys d'Argentine, sont réputés pour produire la meilleure viande de la planète. Leur terrain est cette pampa où les bêtes peuvent paître en toute liberté dans des champs à perte de vue. Emiliano vit encore dans cet imaginaire des gauchos. Il faut dire qu'avant même de marcher, son père l'avait mis sur un cheval. Ça fait combien de temps que tu travailles, que tu t'occupes des vaches et des chevaux? 13 ans. 13 ans? Et quel âge as-tu maintenant? 15 ans. Tu vas à l'école? Non. Tu travailles dans les champs toute la journée? Oui. En 2008, il y avait de la terre et rien d'autre. Il n'y avait plus de pâturage? Non, il n'y avait que de la roche. Vous avez perdu beaucoup de bétail? Non. Non. Nous les avons vendus avant de les perdre. Nous en avons vendu beaucoup. Avant de les perdre, c'est-à-dire avant qu'elles meurent? Oui, avant qu'elles ne meurent. Décembre 2008, janvier 2009. L'Argentine connaît une canicule sans précédent. Le bétail ne résiste pas. Plus d'un million et demi de vaches et de taureaux succombent. Un drame national. L'agriculture souffre également. Maïs, blé, soja, les pertes se chiffrent en centaines de millions d'euros. Roberto Molini, le président des éleveurs de la région de Buenos Aires, n'imagine pas un instant que les conditions climatiques vont s'améliorer. Au contraire, dit-il, les effets paraissent irréversibles. Il ne lui reste aujourd'hui qu'une cinquantaine de vaches reproductrices. Avant la canicule de 2009, il en avait plus du double. Ici, on peut constater que le sol est sec. Et de l'autre côté des barbelés, nous avons le pâturage pour les bêtes cet hiver. Mais vous le voyez, les herbes devraient être 2 fois plus hautes. Depuis 2003, le gouvernement a favorisé la production de soja, une production qui est devenue un poids lourd du commerce international. Cette année, malgré la sécheresse, l'Argentine a produit 42 millions de tonnes de soja. En fait, nous avons besoin que le climat et les politiques nous accompagnent. Mais pour l'instant, les deux nous sont plutôt défavorables. À l'entendre, les éleveurs ont de plus en plus le sentiment d'être sacrifiés au profit des producteurs de soja qui rapportent beaucoup plus d'argent à l'État. À Borondo, où l'on vivait essentiellement de l'élevage, le village ressemble à une cité fantôme. Les familles ont dû quitter leur maison pour trouver du travail ailleurs, dans les grandes villes de la région. Ce jour-là, Roberto Molini prépare avec 2 de ses collègues une réunion pour sensibiliser les responsables politiques au drame qu'ils vivent. Des éleveurs qui jusque-là faisaient la fierté et la fortune de ce pays d'Amérique du Sud.
Beaucoup de producteurs ont dû se séparer de leurs vaches reproductrices. C'était comme leur capital. Ils ont dû les vendre pour pouvoir acheter du fourrage, pour tenter de sauver celles qui restaient. En réalité, les producteurs finissent par abandonner leur métier. Ils louent leurs champs ou les vendent pour se sortir d'une situation économique impossible. Et ils partent en ville. C'est le cas des enfants de Roberto Molini. Ils ne veulent pas reprendre l'exploitation familiale. Ils préfèrent poursuivre leurs études universitaires et trouver un travail où le climat n'affectera pas leurs revenus. Notre dernière étape nous emmène plus au sud. Nous sommes à Carué, une ville de près de 9000 habitants. Jusqu'en 2005, cette cité thermale était en plein essor. Avec des eaux connues pour leurs vertus thérapeutiques, les projets ne manquaient pas. Mais des sécheresses à répétition ont bouleversé la donne. Alejandra Geraldi a consacré sa thèse de doctorat à cette situation. Nous sommes sur le chantier de construction d'un grand hôtel thermal. Le projet a été initié lorsque les eaux de la lagune étaient plus proches. À cette époque, cette zone était devenue une île. Ce qui se passe ici, c'est qu'il n'y a pas de planification. Les projets sont lancés sans tenir compte du climat qui alterne périodes sèches et périodes humides. Un climat complètement chamboulé. Si à Carué, la sécheresse empêche désormais tout développement économique, la région, jusqu'en 1994, était confrontée à de graves inondations. Nous sommes ici sur le lac d'Epecuén. Le lac d'Epecuén est en ce moment au plus bas de l'année. Mais en 1985, son niveau était de 8 mètres au-dessus du niveau actuel. L'eau atteignait le Christ jusqu'à cette hauteur. À la même époque, le village d'Epecuén et le cimetière de Carué ont été inondés et entièrement détruits. Dans un premier temps, on a construit un mur pour que l'eau n'arrive pas jusqu'au cimetière. Mais l'eau est montée rapidement et le mur a cédé. Et en moins d'une journée, le cimetière a été inondé. Les cercueils flottaient. Certaines familles ont réussi à récupérer le cercueil de leurs défunts. Les autres dérivaient dans la lagune. À présent que l'eau s'est retirée, les gens reviennent occuper les zones littorales. Nous essayons de les sensibiliser au fait qu'il est risqué de vivre là. Mais je dois l'avouer, c'est difficile. À 82 ans, Pablo Novak commence chacune de ses journées par un pèlerinage ici. Avec ses chiens, il parcourt les rues de ce village fantôme. Nous sommes à Epecuén. Il est situé sur les bords de l'une des 5 lagunes de la région. Là, c'est l'église. J'ai un repère pour savoir ce qu'était l'église. Il y avait une petite chapelle avec juste une fenêtre. Ici, il y avait l'hôtel bleu. Et là, un club, le Caraïbe Dancing. Ici, c'était la compagnie du téléphone. Et plus loin, il y avait le marché. Là, c'était une terrasse. À son apogée, le village comptait plus de 2000 habitants et possédait près de 250 hôtels et centres de soins. Les eaux de la lagune ont commencé à monter dans les années 80. Alors, on a construit une protection, un grand remblai.
Et jusqu'au 10 novembre 1985, tous les hôtels étaient ouverts. Il y avait des hommes et des femmes qui venaient de toute la région pour travailler, soit comme femmes de chambre, soit comme cuisiniers. Et puis un jour, les services municipaux ont donné l'ordre de quitter les lieux. Et ils savaient ce qu'allait arriver. Avec les pluies diluviennes, les lagunes débordent. Celle où se trouve le village des PQN est la plus basse d'entre elles. Les eaux envahissent les rues, les hôtels. Rien n'est épargné. Tout est resté sous l'eau jusqu'en 1994. 9 ans sous les eaux. Ici, il y avait 3,70 m d'eau. Personne ne pensait que ça allait monter comme ça. En 1994, au pire moment, plus aucun bâtiment n'est visible. La ville thermale est engloutie sous 10 mètres d'eau. Pablo Novak gérait l'hôtel que lui avaient transmis ses parents. Le pire, c'est que tout a disparu, toutes ces choses, ces moments qui faisaient ma vie, tous les gens que je connaissais. Aujourd'hui, Pablo Novak vit seul à proximité de cette Atlantide des temps modernes. Pour lui, c'est un témoignage hors du commun pour les générations futures. Elles doivent comprendre que la nature et le climat sont toujours les plus forts. Ça, c'était le village sous l'eau avant que tout ne s'écroule. Ça, c'est une rue du village avec de l'eau. Et ça, c'est l'église inondée. Je suis né ici et je veux mourir comme le village. Je l'ai vu naître et je l'ai vu mourir. Après sa disparition, Pablo Novak sait qu'il n'y aura plus personne pour entretenir la mémoire des lieux. Ces lieux qui incarnent aujourd'hui un combat planétaire. Celui, dit-il, que l'homme doit mener pour éviter que d'autres villes ou villages ne soient engloutis. Where it goes, and it's a long way home. I've been searching for a long time. I still have hope. I'm gonna find my way.